d'accordo, qui travailler sur cette œuvre, portrait de Penza, pour évoluer à un style cubisme. Voilà, ça c'est un portrait. Je suis en train de faire des recherches pour pouvoir décortiquer la ligne directrice qui va former le sujet ou l'œuvre cubiste. On voit ici le visage plutôt. Ce sont les proportions du visage sans cheveux. Par la suite, on va décortiquer chaque élément du visage pour pouvoir le retransformer en un style cubiste. Ce que j'ai pu améliorer, c'est si on prend ce détail en présent, ce détail-là. Le visuel, je vois le côté droit. Voilà. Cette vision-là est prolongée directement vers le côté tout droit. Ici, elle est prolongée en dessous. Dans ça. Pour reformer. Notre lecture, alors on doit ouvrir les yeux, le plonger, la vue sera dégagée de l'avant. Même chose pour ceci. Étant donné qu'aussi, il ne faut pas oublier que le visage est à moitié photographié. Alors la moitié, là c'est la moitié. On voit que c'est la moitié du visage qui est fini ici. C'est pas le profil exact, c'est pas la face. Donc il faut travailler face et côté. Pour le nez, pour cet détail-là. Voilà, si.